Hallo und alle Freunde! Sögern Sie nicht, das Video zu liken, das heutige Ziel sind 200 Likes. Wünsche dir einen schönen Tag und ein gutes Video. Viele Liebe, ich liebe dich. Mes années d'allemand qui enfin sont rentabilisées, merci à tous. Les bonnes vidéos. Bonjour tous les amis, pour être bien sur une nouvelle vidéo pour le showcase de la nouvelle Merlin Summer, nouvelle Merlin été. Alors, petit Merlin, je monte un petit peu la caméra. Hop. Très très bon perso, très intéressant. J'ai pu déjà faire un petit showcase durant mon live d'invocation. Si vous voulez aller voir, savoir si j'ai été lucky ou non, spoiler, LSP1. Mais je l'aurais SP2 du coup avec la multi gratuite. Bon, c'est toujours ça. Au moins je l'ai eu une fois avant les 600. Parce que du coup avec la multi gratuite, j'atteindrai les 600. Je me suis arrêté juste avant. J'ai récupéré ces skins que j'ai améliorés. Les UR, en tout cas j'ai amélioré les UR. Sachant que de base on a 7 UR là. Du coup forcément c'est du skin. Et j'en ai acheté 2, donc c'est 2 là. Et le dernier skin est gratuit. Donc dans tous les cas, tu auras 3 tenues, 2 armes et 2 objets cosmétiques. Du coup, j'en ai 4. Quand j'aurai farm, j'en aurai plus. Mais bon, je ne vais pas attendre d'avoir tout non plus pour showcase le perso. Je retesterai sur... Enfin, j'ai plusieurs équipes que j'ai envie de tester. Tout d'abord, je vais tester l'équipe avec The One. Qui, je pense, est une très très bonne équipe. Donc je mets la team et on se retrouve tout de suite. Ok. On va jouer en gear. Parce que je pense que c'est un peu plus pertinent. Oh, je vois. Si je fais que du gear aussi après je changerai. Alors. C'est une team full DPS boom boom. Clairement. Mais elle est pas mal du tout déjà contre ban. Elle est clairement mieux que la team Gozer vert je trouve. Enfin, juste Gozer vert à la place de Merlin, la même, mais je veux dire Gozer vert à la place de Merlin contre ban, je trouve que celle-là est mieux. Ah bah parfait, ban, très bien. Très très bon début. C'est un mec qui a des bons CC, donc c'est peut-être un vrai joueur. J'espère qu'il joue pas dodge, sinon c'est chiant. Et en gros, ce que tu veux faire, c'est que là, avec cette team-là, tu peux mettre le debuff de Gozer vert, donc cette carte-là de Merlin qui fait la même chose, et taper avec deux sorts de déluge, donc les deux sorts-là, celui de Merlin et celui des Scanner. Le Arthur, tour 1, pour, si ce n'est le tuer, quasiment le tuer. Et là, il y a moins qui meurt. Ah, il est mort. Donc, clairement, extrêmement solide, parce que non seulement tour 1, t'as tué Arthur, donc déjà, ça réduit de énormément la puissance de balle. 2, t'as mis le debuff de Gozer vert, donc le mec peut pas rechute. Et 3, tu l'as attaque s'il. Donc, vraiment, extrêmement fort. C'est un vrai joueur, je pense. Ok. Alors malheureusement on n'a pas chopé deux sorts de Merlin, donc on peut pas re-attaque Seal, mais on peut taper, je sais pas qui je tape, peut-être toi, peut-être The One déjà. Et The One ça dégage. Tu pars sur Twigo, c'est mieux. Donc c'est pas mal. On a tué The One. Il reste. Ok. On n'a pas eu 3 sorts Merlin malheureusement. Bon on run à 2, c'est déjà pas mal. Bon, par contre évidemment, je vais prendre une sacrée sauce. Alors, il aurait dû faire dans l'autre sens, le niveau 1 puis le niveau 2, je pense. J'ai peut-être lose, hein, parce que son perso est un peu con, mais. J'ai pas eu le debuff au deuxième tour. On va faire 100. On va finir lui. Après, il a combien d'HP en vrai là? Ouais, ça me semble compliqué quand même. Ça me semble chaud de le tuer quand même. J'aurais peut-être dû faire le. Ah non, c'est bon. 155 000. On réduit un peu plus ses HP. Hop. Ah, malheureusement, bon ban, c'est quand même un super perso. C'est pour ça que la team est pas mal. Ah, mais le mec a pas ult. D'accord.
peur. Bah c'est un vrai joueur parce qu'un bot aurait ult. Sauf qu'il est SP4, il aurait pu tenter, je pense qu'il m'aurait tué. On va full taper avec Merlin du coup. Très bonne ulti Merlin. Parce qu'en gros, elle réduit les PV max, donc on ban très très bien. Puis elle ulti, donc plus elle fait les dégâts, qu'elle aurait des stats de PV de 30%. Ça veut dire que non seulement, j'aurais peut-être dû... Non, ça... 170 000, très 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 solide. On va laisser l'animation de victoire de Merlin, qui est... Kipipou. Changer de musique en même temps. Et on est parti. Très très bien. En gros, elle réduit les stats de PV de 30% de toute l'équipe en face, puis elle fait un ulti AOE. Qui fait quand même des bons dégâts, puisque en vrai, le pourcentage c'est 400%, ça va jusqu'à 600%. Mais le stade de PV de 30%, c'est à tous les niveaux ça, donc dès le niveau 1, tu réduis déjà les stats de PV de 30%, ça c'est très bien, parce que non seulement tu réduis les HP, mais tu réduis aussi le taux de récupération, le taux de régène et le vampirisme, donc le mec va beaucoup moins heal, donc c'est très très cool. Ok. Alors on va essayer, je pense, de tuer Sigurd pour commencer. Après, on va faire ça. Non, personne. Je pense qu'on a une chance. Très solide. Parce que là, littéralement, j'ai tué Sigurd, donc j'ai réduit... Il n'aura jamais le passif du coup de Sigurd, donc ça réduit grandement déjà la puissance de son équipe. Et j'ai attaque seal et empêché de rush ult en même temps. Donc très très bien. J'ai pas eu d'autres cartes Merlin. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rush ulti Ludo, je pense. On va faire 100, 100 et 100. Bon, ça sert à rien de taper. Il a déjà deux buffs, mais Yoda, c'est déjà bien. Je vous ferai un autre showcase après qui sortira demain, je pense, sur cette Merlin avec une autre team. J'ai envie de vous montrer. Qui est pas mal aussi, qui est pas mal du tout. Il y a encore un tour de debuff, donc on va en profiter. On va taper tant qu'il y a encore le debuff de ciel. Si on crit, normalement il est mort. Mais il est mort. Et une fois que Milo de Sasso est mort, on est tranquille. Ok. Donc équipe très sympa. Enfin bref, mais équipe très sympa. Maintenant j'ai ulti The One, donc on est plutôt tranquille. Et The One, montre-nous. On va peut-être dû mettre un coup avant. Bon, non, c'est pas très grave. Mettre un coup pour que le rebond parte sur Zeldris. Donc ça fasse les deux sur lui. C'est pas très grave. Hein. Et puis du coup, bah, goût passer à la game suivante. A tout de suite. On va passer en Ungear du coup, je pense. Ok, alors je pensais passer en Ungear, mais il y a du 4v4 en ce moment en sans stuff. Donc je ferai une vidéo séparée pour des teams 4v4. Elle doit être pas mal en vrai en 4v4 la Merlin. Je ferai une vidéo séparée pour ça. On va continuer en Gear. Évidemment, je tourne contre... en gros, la même team que moi, sauf que lui, il a Gozer Vert à la place de Merlin. Mais surtout, il a plus de CC que moi. Du coup, j'ai 12. J'ai clairement 12. Assez clairement. C'est un peu le problème de mon équipe, c'est que généralement, si tu joues en deuxième, t'as 12. Bah là, surtout que j'étais contre la même équipe, donc... Donc si tu joues en premier, généralement t'as gagné. Là c'est lui qui joue en premier, il a gagné. Euh...
À Gozer Vert, l'avantage, c'est que ton Zoan évidemment fera plus de dégâts parce que t'as le passif Gozer Vert et les rank up. Mais du coup, t'as pas de contrôle, quoi. T'as pas rien pour gérer les ultis, ni rien. Pas d'attaque seal. C'est pour ça que j'aime bien cette équipe. Contre ban, j'aime bien. Ok. On va faire ça, ça. Mais est-ce que... Enfin, je me dis, est-ce qu'on peut tuer ban? Ça me semble compliqué, quand même. 440 000. On peut tester, hein. Après, le truc, c'est qu'il va taunt Arthur, ça va être chiant. Tu sais quoi, on a un bon starter. On va tester. On va voir si on peut tuer ban directement. On va voir. On peut tester. J'ai pas crit. C'est vrai que c'est pour ça que je go pas ban. Il a 30% de résistance crit là actuellement. Avec Ah, ça fait chier. Ça fait un peu chier quand même. Un peu chier. On va faire ça. Ok. On redrop deux sorts Merlin au tour d'après, on est vraiment bien. Tant qu'on a ce sort là plus l'autre sort Merlin, enfin même juste même deux fois ce sort là, si on a ce sort là et un autre sort Merlin, on est vraiment bien quand même. On est quand même vraiment bien. Ok, on va tuer. En vrai il a. On va tuer Ban. Hein. On va faire ça, 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 on va tout mettre. On le empêche de rechoper l'ult. Ben voilà, on crit. On a gagné. En vrai, go the one, là, ça aurait été mieux, mais... tuer the one, là, ça aurait été mieux, mais... Mais voilà, on a gagné. Ah, tu es ban. Bah alors, champion 1. Champion 1, ton meilleur ban. Tu t'es fait détruire. Qu'est-ce qui s'est passé? En vrai, il y a vraiment une sale diff. Quand au tour 2, je redrop deux sorts Merlin, ou qu'au tour 1, par exemple... En vrai, au tour 1, je peux en choper 3 directement. Il m'a tué là. C'est fou, c'est pour ça que je voulais que ça go the one avant. On aurait gagné du coup. Enfin, on a gagné. Bon, ça va, c'est bon, le jeu m'a ralasse. C'est bon, tout est réparé. Hop et hop, c'est bon. Allez Merlin, montre-nous. Voilà, bam. Prends ce que tu mérites, the one. Prends ce que tu mérites. Prends ce que tu mérites. Allez, ciao loser. Alors tu drops une carte 3, moi aussi, y a pas de soucis. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez plu, n'hésitez pas à mettre un like pour allez, on va dire 200 likes, ça me fera plaisir. Pour de la force pour cette super Merlin et pour mes 600 diamants perdus dans le tréfonds. et pour ma non-lock, surtout sur les multi et sur les summons. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une très très bonne journée. Et je vous dis à la revoyant. Ciao. Bisbalt.